Des annonces. Des annonces chica. Attends d'abord, n'amène pas la caméra. Combien m'a dit des annonces? Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est donc la clôture du défilé de la remise des cadeaux. Déjà devant l'esplanade du temple, les pieds gauches ou surveillants kimbanguistes ainsi que la fanfare kimbanguiste prennent déjà position pour donner les derniers honneurs de ce jeudi 26 mai 2016, honneur rendu au chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Simon Kimba Ntiangani. Comme pour dire, donc, c'en est fini pour cette deuxième journée de la manifestation du 25 mai 2016. Nous vous rappelons que l'église kimbanguiste, depuis hier, mercredi 25 mai, célèbre le centenaire de la naissance de son éminence Salomon Dialungana Kiangani, deuxième chef spirituel et représentant légal de cette église de 1992 à 2001. Et devant l'esplanade du temple, sa divinité Simon Kimba Ntiangani, ensemble avec les conseillers directs, vont également suivre les derniers moments de cette deuxième journée. Comme vous le constatez, les fidèles kimbanguistes sont toujours motivés, très très motivés, enthousiasmés pour honorer cette grande date du 25 mai 2016. Papa Simon Malweki. Oui, madame Tétis Danaé Samba, c'est vraiment une grande joie. Nous sommes là depuis le matin jusqu'à cette heure ici où nous approchons vers 21h30. Il est 21h03 en Kamba Jérusalem. C'est l'heure à laquelle le défilé a pris son terme. Et maintenant, l'honneur du chef spirituel va bientôt commencer. C'est la chanson d'honneur qu'on appelle l'Utale Bandeleto qui est entonnée par la fanfare kimbanguiste et les surveillants sont en train de saluer. Thank you.
la prière finale qui est appelée. Deuxième jour. Deuxième jour de la commémoration de 100 ans de naissance de Jésus-Christ dans sa seconde venue. Il porte le nom d'accomplissement. Nous sommes à 21h précisément ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, et où on a fini le défilé qui a, n'est-ce pas, mobilisé tous les fidèles, lesquels ont donné les différents cadeaux qu'ils ont préparés pour nourrir la ville sainte de Kamba. Suivons la prière finale. Après, nous reviendrons pour dire les derniers mots pour cette journée. Voilà, c'est la prière finale qui intervient exactement à 21h en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. La Nouvelle-Jérusalem descendue du ciel, l'information que nous pouvons retrouver dans les livres sacrés, la Sainte Bible sur Apocalypse 3. Et voilà, donc Mama Tétis Samba et toute l'équipe étaient présentes pour vous faire vivre cette journée. Nous avions Madame Astrid en anglais, Monsieur Évariste en Silouba, avec Monsieur Charles Minga en Lingala. On avait Sami Toko, Joyce Mwilu, et en Swahili lui-même Papa Bajikana, et en portugais nous avons Christina. En anglais, comme nous avons dit. En français, il y avait Tétis Danaïe Samba, Simon Maloué, qui est votre serviteur. Et nous passons les micros à notre consoeur, notre consoeur Tétis Danaïe Samba, pour arriver de l'autre côté de la résidence du chef spirituel et continuer la cérémonie. Chamou chou, tá se imaginando? Já tá com força, tá tudo andando.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est fini donc finalement pour cette deuxième journée du 25 mai 2016. Nous sommes donc le 26 mai 2016, comme pour vous dire que nous sommes donc à la deuxième journée de ces festivités qui sont déroulées, qui ont commencé depuis 10h02 ce matin. Et il est pratiquement 21h juste. C'est l'heure à laquelle nous avons donc clôturé en beauté cette deuxième journée de la manifestation du 25 mai 2016. Nous vous rappelons qu'en Kaaba de Jérusalem, les festivités se déroulent pendant 3 jours. Donc elles ont bel et bien débuté depuis le mercredi, donc depuis hier mercredi 25 mai 2016. Elles se sont poursuivies jusqu'à jeudi 26 mai. Elles se poursuivront réellement jusqu'à demain vendredi 28 mai 2016. On vous rappelle que la journée de demain sera sanctionnée par la cérémonie de la Sainte Seine. Comme nous savons que au cours d'une année, les fidèles guimanguistes organisent la cérémonie de la Sainte Seine 3 fois l'an, notamment le 6 avril à l'occasion de la fondation de l'église guimbanguiste, le 25 mai à l'occasion également de la célébration de la Noël, aussi le 12 octobre à l'occasion de la célébration de la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani et aussi de la mort de Papa Simon Kimbangu, l'homme de 1921. Donc il y a une grande ambiance qui règne ici en Cameroun. On finit cette dernière partie de la journée. Papa Ivari, Papa Kabea. Chabushu, abana beto, mamo, tati samba, ma moi mulgon, moi je convoie, abapon se fait londa, moi gula facha facha. Tadi, abeto kufika kuchibo mbongo, toku muna pidia mbongo, abu, bimbi bampungi, bangwe kupinga jamfumu, abu kalenge, fumu. Tu m'as dit que je suis un peu plus jeune. 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 Je Mamu Guilaine, moi Robert, nous avons un bon sort, 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 nous avons 21h, moi mon camba Jérusalem, nous avons un bon sort, 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 nous avons Loa Mikenji, Animus Wendo Mikenji, Boisson, mon conseil de Abukalenga, Bana Benza de Filet, de Bona Mouchin de Tom, Dissanka, du tout du Puyle, Bomonen, Bonson, et Kalbamani, Munemo Kamba, Malo Manyamouke, de Bona Mouchin de Tom, et Dissanka Yamchindo, Chitmo Rokulanchin, Momone, Trabafi Kundegelu, Tato, J'y sais, Mamba, à tout le monde. Malgré les habitants, mon camba, il est le Eyo wa toa sakidila tatu Evariste Kabeya toa sakidila kuji bananga ni balondi ba kajomaga kagadio tajuru kimanisti tuji niji sanka wa kumono bwani nujivuka la babu ni ba kulonda nguo milubu ani ma manifestation of mika la mense kama kune kuku kama Yerusalemi ale 25 me jile jibu ya mfumo Yesu Kristo ni Jikumbaja bijumu lukama ya tatu jalunga na kianga ni kache wa lejibuwa walopabulo baba. Katole ni mei ya bunya kwa mana kutu kaji tutunumbo ya tuji ni jisa kaji ya bunya wakumono wanino. Pene kutabuja
bana batatu simone kima ukiangani bai bikijibwe bende bantu batu kubinunu makumi asatu ni mwanda mukulu bakitandu mukwe umusiko lwa kama ili sile mwachishila tatu kabe ya nyiku chanjiku kwa nino wale kiku kumutu yosu channel channel nato wale wanzami wale ibu wale mufuna kujuku donk kichitu kwa kumbisha bana betu boso wa tunono bali no jisa anka jijimu yetu tenti bakumono wale no tatu simone kima ukiangani nzame nyuma mwendo. Yo wa tato nzambi nyuma mwimpe simo kimango kyangani chipanda makunji yopo munkachi mwa bantu nzambi musombene bantu kaba kamwe muni to kufika kuchiko kuchibumbu bwaji to kujya lelo tikalma mayine disanga ja lelo ndisanga ididi dipet bantu bonso kontengu yonsi na ya buloba bantu ani badikulu ku Europe ku France ku Allemagne miabi yonso badi ma province yetu makumi abidini sambombo tikalma mayine tout bon so tout mon kati moi de sanka boja koleji bo ya tato jalungana kyangani salomon fumwe jesus christo muleji bo di tout dia lelo lelo kabidi tato andre mbenza mumbu ke lutu leje mwamba uji uvwa tato fuma mbanza muleji bo munemu munkache mwankamba kadi tato simukimbangu akutoyela kabidi lukonguni est-ce que nous bamanya moi baka yuva ba ikusokoka roi Albert premier mo va voir tatu simo kimangu mwe kumupa tola mo buloko kadi vumwe kumupa tola mo buloko mo ulisekilo abo kadi pinyo kula inende munwemu ba ukuloko musokela munwemu mo mene bwalebu bwalubu nene bwalubu kole budi matata kakwana mushindo to tekel ba mayine bana beto disanga dia lelo ndisanga jinine takufika kundekelo ba jituku dia lelo tukalipa maini kunyuma kwetu malonso akufika ku ndekelo mumu ni ababonso majibetu londo ku bindi jimbi bia radio television kimbangise ansigle ratelki tukalipa maini tuwa kufika kuchibungu bungu kwa jitu kujia lelo jitu kujia lelo njitu kujini ne jitu kujitu mwakutumbisha nzambi kumalonso kabidi nzambi ya nkaende wakutupesha jibeneshi jini ne je tuba comme on a gamba wa kutupesha jibenesha tatu wa kutupesha jibenesha mbibi tukalba maini mujibenesha jitu ibapet wa ambini nuyini jibenesha jenu toni miyabu yonsu ni yaya momo ni tuji sanga jabungi wa jitu kuja lelo momo ni tuka tupingana munga chumwa nzubu wa mujimu wa kunu manisheni tuwa kufika kundekelu wa malu oyonsu yo wa bana beto nzambi wakuya kusomba mungkwasa wendo wabukalenge bwa jituko jalelo takufika kundekelu 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 takufika kundekelu mwamune haba bonso bajibatu londe mubulini mubuchame tuikalba maini takufika kundekelu bwa jituko jalelo tatu simo malweki takufika kuchibungubungu jiji andekelu jijibishi. C'est extraordinaire ce qui se passe ici en camp à Nouvelle-Jérusalem parce que jusqu'à cette heure, nous sommes 21 heures passées, la fanfare continue à arroser ses sons aromatiques, la musique devant la résidence du chef spirituel parce que nous vous le rappelons tout à l'heure que c'est le défilé vient de se terminer à peine et tout le pèlerin se dirige à la résidence du chef spirituel Papa Simo Kimbangu Kyangani ici en Kamba, Nouvelle Jérusalem. Une journée très chargée, une journée pleine d'effervescence, pleine de joie parce que nous avons suivi avec attention le culte dont la prédication a été donnée par le révérend Wumba qui a parlé de la nouvelle venue et surtout des 100 ans. À chaque 100 ans, Dieu réalise toujours quelque chose pour son peuple. Et nous, à ces centenaires, certainement, nous venons de recevoir la bénédiction. Toute personne qui est montée en Kamba a reçu sa bénédiction. Et même ceux qui ne sont pas venus, Papa a dit, tout le monde sera béni. Parce que nous sommes en pleine fête des centenaires. Et donc, c'est pour nous une immense joie que de vous retransmettre en direct à travers la radio-télévision kimbanguiste
la Reina Telsat et en collaboration avec Téléconsulte. Comme vous l'avez suivi hier jusqu'à aujourd'hui, nous continuons d'arroser et de vous informer pour que vous puissiez savoir et découvrir qu'est-ce qui se passe, comment la fête se déroule ici à la ville sainte de Nkamba dans la province du Congo central. Et toutes les provinces de la République démocratique du Congo nous ont suivis et nous appeler de partout pour nous dire, voilà, nous vous suivons en direct, les gens de Sud Ubangi, Nord Ubangi, Mongala, Équateur, Tuapa, Tchopo, Bawele, Owele, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika, Lomami, Olomami, Okatanga et Congo Central, disons Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kasaï, Kwilu, Kwango, Maindombe, Kinshasa, Congo Central ici. Tout le monde a suivi la radio-télévision kimbanguiste et la fête de la nativité, les centenaires des papas d'Yalunga Nakiangani. Jésus-Christ, dans sa seconde venue, il porte le nom de Dialungana. Mon frère Boni, ça fait belle lurette, qui est allé savourer cette joie immense qui était autour du chef spirituel et qui est déjà actuellement, au moment où nous parlons, à la résidence, à sa résidence. Qu'est-ce que tu peux ajouter pour nos nombreux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent? Merci Papa Simon Malueki. En tout cas, je m'étais retiré un peu du groupe parce qu'il fallait vivre directement l'ambiance. Parce que ça, c'est pour le compte personnel. Parce que je reviens au Brazzaville, je vais aller traduire l'ambiance qui a prévalu ici. Il fallait que je la vive de très près, de telle sorte que quand j'arrive à Brazza, à Télé Congo, à DRTV et à travers nos émissions, que je sois à mesure de transmettre fidèlement l'ambiance. Parce que ce que vous voyez à travers l'écran, en tout cas c'est un peu à distance, mais nous qui sommes ici, nous avons vu Dieu, nous l'avons touché, nous avons vu la réalité divine de très près, pour dire que effectivement les Kimongi sont raison d'annoncer que Jésus-Christ est là, il est en Nkamba. En tout cas, je ne sais pas si on pouvait avoir en dehors de Nkamba, là où on pouvait vivre une telle ambiance. Depuis que je suis né, depuis que je suis Kimongiste, je n'ai jamais vécu une telle ambiance. Je vous dis, je ne sais pas si au monde, il y a une église, en dehors de l'église Kimongiste, où on peut vivre une telle ambiance. C'est le ciel qui est là, sur terre, avec nous. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'est avec émotion. Je suis très ému lorsque je vous transmets cette ambiance. Et l'ambiance était totale. La mobilisation était totale. La joie était totale. Qu'est-ce que je peux encore dire? Nkamba a tenu son pari. Pour cette deuxième journée de la manifestation du 25 mai 2016, je vous rappelle que nous sommes le jeudi 26 mai 2016 et nous sommes donc à notre dernière deuxième journée. Ce n'est fini comme je disais tout à l'heure. Et prochain rendez-vous, c'est donc demain, vendredi 27 mai 2016. Vous savez que la journée de demain sera sanctionnée par la cérémonie de la Sainte Cène. À tous les fidèles qui m'ont dissimulé à travers le monde, à tous les fidèles qui m'ont dit c'est présent ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ils vont également s'attarder pour cette grande étape de la journée. Une fois de plus, mesdames et messieurs, nous vous disons merci d'avoir suivi la radio télévision kimbanguiste en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbanguiste. Merci à vous tous qui vivez ensemble avec nous l'événement du siècle, qui est celui du centenaire de la naissance de son éminence Salomon Dalunga Nakiangani. On se retrouve donc demain, vendredi 27 mai 2016, pour un nouveau programme. Et notre culte sera également, se déroulera à 10h, heure locale, donc Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Nous vous souhaitons une très bonne suite des programmes sur la radio-télévision kimbanguiste. À toute l'équipe de la RATETI qui vous a accompagné durant toute la journée de 10h jusqu'à 21h30, mesdames et messieurs, nous disons également merci. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une fois de plus une bonne fête de centenaire et de Noël à toutes et à tous. Au revoir.